là. Elle m'en parle pas, je vais pas dormir de la nuit. Statut de la thérapie, stagnation de l'activité du moteur morphogénique à environ 2000 ppm. Dépassé niveau 3, diagnostic, gnagnagna. Note de l'entrevue. Ouais. On va s'arrêter aux notes de l'entrevue, hein, parce que sinon ça va pas le faire. En raison des mutilations qu'il s'est infligées, Walker était entravé pour l'entrevue. Les entraves ont dû être adaptées à sa tâche gigantesque. Ces éruptions dermiques étendues sont cohérentes avec l'échec de l'activité cellulaire MM. Le sujet déclare posséder une vision plus claire depuis qu'il s'est arraché la peau du front. Il semble avoir côtoyé dans son enfance des spénodons, lézards dotés d'un œil pinéal. Un œil pinéal, pour info, c'est un troisième œil qui se trouve au milieu du front. Il s'est déclaré anxieux au sujet de ses chairs, en particulier autour du nez et des lèvres. Les infirmiers devront rester à l'affût d'éventuelles nouvelles tentatives d'automutilation. Les traumatismes psychologiques qu'il a subis durant son affectation en Afghanistan ont l'air de ralentir l'évolution du processus MM. Sa fixation mentale amplifiée par la thérapie est axée sur les procédures de sécurité militaire. Il est vivement recommandé de poursuivre le confinement aussi bien par des moyens physiques que chimiques. Ah oui, RSP, c'est évident que j'ai beaucoup plus... Enfin, j'ai plus de gens qu'au début. C'est le principe de l'évolution d'une chaîne Twitch. Ellie avec la voix de la peur. Non, à mon avis, j'en dirais d'autres avec la voix de la peur, mais pour le moment, ça va. C'est juste des petits trucs qui font pas trop peur pour le moment. Mais à mon avis, il y a moyen qu'il y ait des rapports tout à l'heure qui fassent un peu flipper sa mère. Il y a un mec... Il y a un mec qui bouge dans une chaise roulante là-bas. On va pas par là, rassurez-moi. Oh putain. Il y a écrit sortie là-bas. Il y a écrit sortie. Oh putain. Il y a écrit sortie. D'accord. Bon. Alors que. D'accord. Spooky scary voilà. Skeleton. Faut filmer ça. Bon, peu sûr, monsieur. Tour que qu'il faut filmer. Ah, t'as une dentition très très spéciale, mon cher ami. Y a pas de visage. Y a pas de visage. Y a des gens. Ah putain. Mais le mec, il nique mon stream quoi. Frégaf, vous êtes en train de regarder une télé avec des. Putain, mec. C'est quoi cette gueule? Les gens n'ont rien à foutre. Pourquoi ils regardent la télé comme des cons? Toi t'es en PLS. Oh, Orca, tu veux que je te tienne la main? J'ai peur, il y a des moineaux dehors. Je suis dans le noir. Ok, moi on est pareil. Méchant du jeu, si je me plante pas, c'est un mec qui a des espèces de pouvoirs chelous. Plutôt oui. C'est quoi ce machin là? Un mec qui C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs des méchants du jeu. Un mec décapité sur une chaise. Non, il est pas décapité. Climatique du local de sécurité, ok. C'est un tronc. Globalement, t'as deux grands méchants. Un qui va partir avec des morceaux et l'autre qui va. Je suis à l'intérieur. Il y a des corps partout, du sang, des traces de brûlure. Des têtes alignées comme des bouteilles derrière un comptoir, des scientifiques de Murkoff pendus au plafond. Sur leur badge, on peut lire Murkoff, système de recherche avancée. Murkoff a l'habitude de tirer profit de prétendues actions caritatives, et ça ne date pas d'hier. Des milliards engrangés au détriment du tiers-monde. Mais d'où ont-ils tiré l'idée qu'ils pourraient se faire du blé avec un bâtiment rempli de dingue? Il y a une espèce de vigile empalé comme un cochon sur une broche. Avant de crever, il me dit de foutre le camp. Si seulement il me l'avait dit quand je pouvais encore revenir sur mes pas. Une foule de types brisés qui regardent une télé HS. On dirait des patients. Ils ont survécu à ce qui s'est passé ici, mais ils ont la cervelle en compote. Position fétale. J'ai d'autres personnes à avoir plus de personnes comme toi. Merci, c'est très gentil, respect pour eux comme pour moi. Bon, lui, il est toujours sur sa chaise, là-bas. Est-ce que je peux ouvrir cette porte? Tu
toujours pas. Ok. Ah oui, mais non, je viens d'avoir une clé de sécurité, du coup, faut que j'y retourne. Je vous parie combien que le mec a disparu de sa chaise. Je suis vraiment pas en plein écran parce que. Je vous parie combien que l'autre a disparu de sa chaise. T'es vraiment un PD hors camp. Je sais. J'avoue. Une petite fille. Ah non, il est toujours là. Salut. Ah putain. Ah l'enfoiré. J'ai descendu. Ah putain de merde. Ah putain de merde. Ah. Ah bordel de merde. Putain mais le mec il réagit avec 10 secondes de retard, c'est chiant par contre. Le pire c'est que j'ai eu un tressautement de cœur juste avant que ça arrive parce que comme si je le savais. Je suis désolé. Bon là j'avoue j'ai quand même bien flippé. Le jumpscare de bâtard putain, j'avoue. En plus c'est la musique, je sais pas pour vous, moi je suis en 7.1. Donc je vous laisse imaginer la qualité sonore du truc. C'est assez violent. Je vais me mettre dans l'ambiance comme orque. Ça marche. Après, il va voir. Ouah, pute! Du live. Oui, bah ouais, limite, tu veux qu'on sorte du live? Ouais, vous restez sur le chat. Ouais. Ok. On se met sur un live, un tout. Highway ou Sally's Love? Sally's Love, Sally's Life. Ça marche. Bon, du coup, maintenant. Les enfants, je vous le dis, je suis tout seul sur le vocal, du coup, j'ai plus personne à qui parler. Je joue à un jeu d'horreur. Je suis dans le noir. Il y avait un mec là-bas. Ok, donc j'ai chopé la clé de cet endroit normalement. Voilà. Hop, tranquille, bonjour monsieur. On ferme la. Alors, oui. Sur ce jeu, on ferme la porte. C'est la base. Alors j'essaie de voir s'il y a des choses qui se passent sur les caméras. Ah! Bonjour. Première sauvegarde du jeu. What the fuck? Ok. Ça marche, respect. Des bisous. Merci d'être passé. Franchement, j'ai hâte de te revoir sur les prochains lives. C'est bien ce que tu fais pour les petits nouveaux de Twitch. Moi, étant encore un nouveau de Twitch. Et pour les autres, je vais passer en mode flippette. C'est parti. Il est passé où? Il est passé où? J'aime pas ça. Et du coup, moi, je le suis, hein, via. Et je claque des portes, hein, oui, parce que, voilà, il faut. T'en as marre. Tes mains tremblent. D'accord.
Je te laisse imaginer moi, mec. Hein. Bon. De temps en temps, je vais lire des trucs, ça va me calmer un peu. Messieurs, en l'attente d'un rapport complet, aucune action n'est requise de la part de la Murkoff Corp. Les profits potentiels du projet War Raider demeurent extraordinairement élevés. Les quatre cas de décès présentent des éléments suffisamment ambigus pour rendre impossible un quelconque recours dès lors que les preuves matérielles sont convenablement gérées. Le projet War Raider continue à présenter des dangers et de nouvelles pertes sur cet ordre sont à prévoir. Cependant, comme dans les autres cas, l'intérêt dont font preuve les familles et les autorités envers les patients est tellement minime que les risques d'action judiciaire sont extrêmement faibles. L'évoluence entre patients augmente avec l'approche de la production de modèles fonctionnels issus de la thérapie MM, mais une combinaison de sédation chimique et d'entrave physique s'est avérée suffisamment efficace pour assurer un contrôle et des profits permanents. Respectueusement, Hélène. Désolé hein, si j'arrive pas à lire de temps en temps, je suis vraiment fatigué. Ah non, la pile vide, c'est pas cool. Ok, personne n'a bougé, tout va bien. Parce que là, pour le coup, on voit rien. Hein. Faut que j'aille redémarrer le groupe électrogène. Ok. Ah, une ombre! Ok. Les viewers qui ont peur, quoi. Alors. Electric Room, en bas. Ok, c'est parti. Recherche et expérimentation hypnotique, 10 février 1954. Le mercredi 10 février 1954, les recherches et expérimentations hypnotiques se sont poursuivies dans le bâtiment 13 de la zone naturelle de Mount Massif. Sur les sujets suivants. Texte abrégé. Un test post-hypnotique a été mené sur les sujets hypnotisés l'année précédente. Doigt pointé, dormait. Les dames Jackson et Pierce ont immédiatement rejoint un état hypnotique profond sans nécessité de suggestions supplémentaires. Il a ensuite été ordonné à Madame Pierce, qui avait auparavant exprimé une vive crainte des armes à feu, de recourir à tout moyen à ses dispositions pour réveiller Madame Jackson, alors en sommeil hypnotique profond, et s'il n'y parvenait pas, de prendre en main un pistolet déposé à proximité et de tirer sur Madame Jackson. Putain, les putes. L'ordre a été émis de manière à générer chez elle une rage telle qu'elle n'hésiterait pas à tuer Jackson, si elle ne parvenait pas à la réveiller. Madame Pierce a appliqué ses suggestions à la lettre, y compris presser la détente de l'arme à l'air comprimé et sans projectile, bien entendu, qu'elle pointait sur Jackson avant de plonger dans un profond sommeil. Après énonciation des suggestions appropriées, toutes deux furent réveillées et ont déclaré ne se rappeler aucun événement de la session. L'arme fut de nouveau proposée à Madame Pierce qui refusa, en état d'éveil, de la saisir ou de l'accepter alors que l'opérateur la lui tendait. Elle nia énergiquement avoir jamais tenu cette arme en main. Alors, je ne suis pas tout le chat, vu que les modos sont extrêmement présents. Ne m'en veuillez pas. N'hésitez pas à me whisper quelque chose si vous voulez que je le lise expressément. Mais je regarde de temps en temps. Who's there? Putain.
ça sent la quête bien longue à la con, genre va activer ça, puis retourne ici. Première pompe. Oh merde. Merde, vous croyez qu'il va me voir? Oui! Non, enfoiré! Je me suis! Comment je fais?